pour le prochain match France au Mexique, compétition des équipes. Pour le Mexique, numéro 1, Valentina Morieta Ortiz, numéro 2, Diana Amelia Argerin, numéro 3, Michele Gonzalez Parker, numéro 4, Estefanie Figueroa. L'équipe de France U16 féminine vise la finale du mondial de Montaigu. Bonjour à tous, bienvenue sur le YouTube de la Fédération Française de Football. Bienvenue au complexe sportif Maxime Bossis. La génération 2008 croise aujourd'hui la route du Mexique où le défi est de gagner par deux buts d'écart pour disputer la finale dimanche et inscrire une seconde fois l'équipe de France féminine au palmarès de ce prestigieux tournoi après 2019. Il faut faire mieux que les Pays-Bas, vainqueurs 2-1 du Mexique il y a deux jours. Pour leur entrée en lice dans la compétition lundi, les joueuses de Mikael Ferreira ont concédé le nul de partout face aux Néerlandaises après avoir pourtant mené 2-0 grâce à la capitaine Tante Diakité et l'entrante Melem Lialy, mais cela n'a pas suffi. À noter également que les Bleuettes ont disputé mercredi un match amical hors tournoi face au Japon. Elles ont payé plusieurs erreurs défensives pour une défaite 3-1 malgré la réduction du score de la Mancelle Lia Galaudé. Il faut donc retrouver une solidité collective aujourd'hui à quelques secondes de l'entrée des deux équipes. Trois changements dans le 11 par rapport au premier match face aux Pays-Bas. Alexandre Lambert remplace dans la cage Laurine Chevret et devant Sofia Djoubri et Isoé Mustier remplace Léa Morissin et Sabiana Genot-Gourieri sur le banc. On va détailler cette composition d'équipe en attendant donc les hymnes nationaux avec la Lyonnaise Alexandre Lambert dans la cage, une charnière avec Noémie Fatier, la Parisienne, et Maëlle Doré à Havraise. Sur les côtés, la Brestois. Dalo Jabi, la Parisienne, au milieu de terrain. Bouchra Karafi, joueuse de Rodez, accompagnée de la capitaine Tanté Diakité, la Rémoise, et l'autre Parisienne, Gabrielle Leroux, et devant Sofia Djoubri. La Parisienne aux côtés d'Isoé Mustier, joueuse du PFC. Et la numéro 9, la Montpellierenne, Pauline Valla. Au moment de l'entrée, on a des deux équipes emmenées par les deux capitaines Tanté Diakité d'un côté, il y a Villalpando, la Mexicaine de l'autre. Objectif final, objectif victoire aujourd'hui. Au complexe sportif Maxime Bossis, les hymnes nationaux dans quelques secondes et on se retrouve juste après pour le coup d'envoi de cette rencontre ici à Montaigu. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, please be standing for the anthem of Mexico. Mesdames, messieurs, merci de vous lever pour l'hymne du Mexique. Thank you.
La Marseillaise pour accompagner les jeunes bleuettes face au Mexique. Aujourd'hui, l'équipe de France U16 féminine vise la finale de ce mondial de Montaigu. Merci à ceux qui nous retrouvent sur le chat et YouTube de la Fédération française de football. Bienvenue à tous. Un mot sur la compo mexicaine avec Valentina Morrieta dans la cage. Une charnière Ashley Rodriguez et la capitaine Mia Villalpando. Sur le côté, Angelina Abeliana et Adriana González. Au milieu de terrain, Stella Barraras, Naomi Roro, la numéro 10, Citlali Reyes. Et devant, Céleste Martinez, Fernanda Monroy et Eliana Gallegos. Traditionnelle photo autour de l'arbitre aujourd'hui, Madame Laura Bouchot. Et on va détailler à nouveau la compo française avec donc trois changements dans ce 11 par rapport au nul face aux Pays-Bas. Alexandre Lambert remplace dans la cage Laurine Chevret et devant Sophia Djoubry et Isoé Mustière remplace Léa Morissin et Sabiana Genot-Gourieri sur le banc. Ce qui nous donne donc la Lyonnaise Alexandre Lambert dans la cage. Latérale gauche, la Brestoise Jade Lourdelet. À droite, la Parisienne Dalo Jabi, une charnière avec la Parisienne Pâtier accompagnée de la Havraise régionale de l'État puisqu'elle est née à La Roche-sur-Yon juste à côté. Maëlle Touré au milieu de terrain. La joueuse de Rodez. La numéro 6, Bouchra Carafi, accompagnée de la Parisienne Gabrielle Leroux et de la Rémoise, capitaine tentée d'Iaquité. Et devant, Isoé Mustière, Sophia Djoubry et la Montpellierenne Pauline Valla. Le sélectionneur Michael Ferreira a pu faire tourner contre le Japon il y a deux jours lors de ce match amical hors tournoi perdu 3-1. Seules deux joueuses sont de nouveau titulaires aujourd'hui. C'est le cas de Dalo Jabi qui portait le brassard de capitaine mais sorti après seulement un quart d'heure de jeu. Et Sophia Djoubry sortie également avant l'heure de jeu. Il y a donc de la fraîcheur dans cette équipe française qui vise donc un deuxième titre
pour cette sixième édition. La France l'avait remportée en 2019, donc génération de Vicky Béchaud notamment. Tout est prêt, le coup d'envoi va être donné dans quelques secondes par l'équipe de France U16 féminine qui vise donc face au Mexique une finale dimanche. Première touche dans le camp français. Et premier ballon dans les pieds de Bouchra Karafi. Tenter d'acquitter vers l'avant. Pauline Valla qui gagne du terrain, excentré sur le côté droit. Elle attend du soutien, la Montpelliéraine, et elle en a avec Sofia Djoubri notamment. Les Mexicaines parviennent à écarter le danger. Et la pression française mise dans la moitié de terrain adverse. Gabriel Leroux qui va prendre le temps. Karafi en une touche vers l'avant, c'est intercepté. Et la bonne lecture sans risque de Noémie Fatier, la parisienne. Cinquième sélection aujourd'hui pour la numéro 4 française. Qui avait également participé à la double confrontation face à l'Italie. C'était le 29 février et 2 mars dernier avec un match nul de partout et une victoire 3-1. Juste avant donc ce mondial de Montaigu. La longue touche sur le côté gauche. Elle avait réussi à se retourner, Céleste Martinez, mais ce ballon va sortir. Ballon rendu à Adalo Jabi, la parisienne. Bouchra Karafi vers l'avant. Tenter d'acquitté. Qui n'a pu conserver ce ballon. Et bonne récupération en française avec... Ensuite, ce jeu en profondeur, mais c'est capté par Valentina Morietta. A noter que cette équipe mexicaine est plus jeune sur le papier que l'équipe de France. 22 joueuses convoquées pour ce tournoi, 13 de la génération 2009. Et 9 donc nées en 2008, alors que l'équipe de France est exclusivement composée de joueuses née en 2008. La récupération de la Montpelliéraine, Pauline Valla, qui s'est retournée vers l'avant. Elle attend des solutions. Ce ballon est finalement récupéré. Et ces premières minutes ont certainement dû être travaillées par le staff de l'équipe de France, puisqu'il y a 2 jours face au Japon, tout s'était joué dans ce premier quart d'heure avec 3 buts encaissés trop rapidement dès la première minute, la 5e et la 11e. Le staff français et notamment Mickaël Ferrara ont dû insister sur la concentration des les premiers duels. Bouchra Karafi qui reste sur le côté droit avec
Dalo Jabi, nouvelle touche pour la Parisienne. Tenter d'y acquitter. Il y a un petit peu plus d'espace. Et attention à ce ballon entre les deux défenseurs centraux vers Céleste Martinez, mais bien négocié par la charnière Noémie Fatier, Maël Doré. Et Gabriel Leroux avec tenté d'y acquitter. Les Françaises tentent de poser le jeu. Repartir de l'arrière après ce round d'observation, ces 5 premières minutes de jeu. Jade Lourdelet, la Brestoise, qui écarte. C'est bien fait vers Sofia Djoubri. Autre Parisienne à l'intérieur. C'est un bon ballon, très bon service vers Isoé Mustière. Finalement capté par Valentina Morietta. Première situation après 5 minutes de jeu en faveur de l'équipe de France. La récupération française. Et la frappe tentée, pourquoi pas, ça passe à côté. Cette tentative lointaine qui n'inquiète pas Valentina Morietta. Et ce ballon est sorti au départ. Ce sera une touche française pour Jade Lourdelet. Deuxième sélection pour la latérale gauche brestoise après sa titularisation face aux Pays-Bas. C'était lundi. Attention, on a réussi à casser ce rideau. Céleste Martinez. C'est Tlali Reyes, la numéro 10 qui écarte vers Fernanda Monroy qui va travailler devant Jade Lourdelet. Et bonne défense de la Brestoise. Même si elle est finalement passée, Fernanda Monroy, le premier centre dans cette surface. Capté par la gardienne aujourd'hui, Alexandre Lambert, qui remplace Laurine Chevret, alignée lors des premiers matchs face aux Pays-Bas et au Japon. Deuxième sélection pour la Lyonnaise, Alexandre Lambert, qui avait joué face à l'Italie le 29 février dernier lors du match nul de partout. On est déjà revenu dans le camp mexicain. Cette fois-ci, la touche sera mexicaine. Le Mexique donc qui s'est incliné face aux Pays-Bas 2-1 malgré la réduction du score de Angeline Abeliana, titulaire aujourd'hui, la numéro 2. Une frappe magnifique, mais ça n'a pas empêché la défaite donc. Et le Mexique ne pourra pas donc se qualifier pour la finale et rattraper donc les Pays-Bas dans ce groupe A. Le Mexique qui avait déjà participé au Mondial de Montaigu la saison dernière en terminant cinquième sur les 6 équipes engagées. Et le Mexique avait affronté l'équipe de France pour une défaite 6-0. Du Mexique face à la France. C'était le 3 avril 2023. Espérons que le score soit aussi large en faveur de nos Bleuettes aujourd'hui. On le rappelle, un demi-temps de 40 minutes.
Et une possibilité peut-être avec Tante Diakité qui tente de servir de nouveau Pauline Valla, à qui s'est bien battue. Ce ballon à l'entrée de la surface de réparation. Tante Diakité qui a tenté sa chance de manière soudaine du pied gauche. Elle a réussi à se retourner. Ça passe au-dessus. Et toujours hein, la volonté côté Mexique de repartir de l'arrière proprement par du jeu court. Gabriel Leroux. En retrait avec Noémie Fatier qui écarte Jade Lourdelet. Le travail de Sofia Djoubri, ça ne suffit pas. Et très haut, Noémie Fati à la récupération. Telle une milieu de terrain, Jade Lourdelet, elle est contrée. Et du coup, attention sur ce côté gauche français, elle n'y est plus, mais c'était trop profond, ça va sortir. Sofia Djoubri à la lutte. Monroy, oh la relance dont peut profiter Pauline Valla dans cette surface de réparation qui se présente face à Valentina Morrieta. Le duel remporté par la gardienne mexicaine devant l'attaquante montpelliéraine. Première grosse occasion française après 11 minutes de jeu sur une erreur de relance. Pauline Valla n'était pas loin d'en profiter. Premier corner dans cette rencontre. Ouais, ça aurait été le premier but hein, pour Pauline Valla avec la sélection après 5 sélections. Ouais, le corner bien tiré, repoussé des points par Valentina Morrieta. Ça revient à l'entrée de la surface. Nouvelle tentative qui passe à côté. En tout cas, contrairement au Japon, il y a deux jours, les Françaises sont bien rentrées dans leur rencontre. Ce sont les plus entreprenantes, les plus dangereuses. Et toujours ce score de 0-0. Allez, il faut insister. On le rappelle, hein, deux buts d'écart enverraient les joueuses de Mickaël Ferreira en finale de ce mondial de Montaigu dimanche. Il faut faire mieux que les Pays-Bas. Le dégagement. Isoé Mustière qui est passé la vitesse de la joueuse du PFC, ce centre à terre, premier coup de poteau capté finalement par Valentina Morrieta. Mais nouvelle différence réalisée. L'attaque française qui est en train de prendre le dessus sur la défense mexicaine. La longue touche récupérée par Bouchra Karafi qui a tenté d'écarter le jeu. Ça revient finalement sur Jade Lourdelet. Pauline Valla au jeu qui s'en sort, qui conserve. Maëlle Doré avec sa gardienne Alexandre Lambert.
Noémie Fatier. Ouais, le jeu à 3 en une touche. Jade Lourdelet sur le côté pour lancer. Sophia Djoubri. La joueuse originaire de Bayonne. Pauline Valla qui a décroché. Gabriel Leroux avec Jade Lourdelet. Là, qui résiste bien à chaque fois pour conserver. Bouchra Karafi qui va écarter. Dalo Jabi. Bouchra Karafi encore. Elle essaye de passer devant la capitaine Mia Villalpando. Alors que la pluie fait son apparition au complexe sportif Maxime Bossis après le premier quart d'heure de jeu, toujours 0-0 entre l'équipe de France U16 féminine et le Mexique. Et Pauline Valla qui va obtenir ce corner, nouveau corner en faveur de l'équipe de France. À la défense centrale est montée, Noémie Fatier et Maëlle Doré. De nouveau titularisés ensemble après le match lundi face aux Pays-Bas. Tiré au premier poteau, touché du pied par Noémie Fatier, mais sans problème pour la gardienne mexicaine. Allez, le ballon est très vite rendu. Elle tente de jouer vers l'avant. La bonne lecture de Noémie Fatier. Et on écarte à droite avec Sophia Djoubri qui travaille, qui a pris de la vitesse. Elle a l'appel de Jade Lourdelet. Le centre en une touche de balle au point de pénalty. C'est dégagé. Ça revient à l'entrée de cette surface de réparation. Isoé Mustière dans la surface. Tout de suite protégé, tout de suite récupéré par l'équipe de France. Et là, les Mexicaines doivent laisser passer l'orage au sens propre comme au figuré parce que l'équipe de France est de nouveau à l'attaque. Ouais, bon coup franc excentré obtenu. Il se multiplie. Hein, ces corners et coups francs, toutes ces phases arrêtées. Oh, ça a été touché et l'ouverture du score. Après 19 minutes de jeu, sur un coup de pied arrêté, ça vient récompenser la domination française grâce à Bouchra Karafi. La joueuse de Rodez ouvre logiquement le score 1-0 face au Mexique.
Premier but en sélection pour elle après 5 sélections. Bouchra Karafi, on l'a vu depuis le début du match à la récupération. La voici décisive de la tête. Elle a devancé la sortie de Valentina Morietta. C'est amplement mérité tant les Françaises ont maîtrisé ces 20 premières minutes. Et un coup franc parfaitement tiré au départ. Mais le plus dur est loin d'être fait. Quand on se rappelle ce match face aux Pays-Bas, lundi, l'équipe de France menait 2-0 grâce à sa capitaine Tanté Diakité et l'entrante Melem Liali. Mais ça n'avait pas suffi. Réduction du score et égalisation en seconde période des Néerlandaises pour un match nul de partout. Espérons... ça ait servi de leçon et que les mêmes erreurs ne soient pas répétées aujourd'hui. Dalo Jabi avec Tanté Diakité à la lutte au duel. Il y aura une faute de la capitaine française. La voici, la buteuse Bouchra Karafi. Encore à la récupération. Mais ce ballon finalement dans les pieds du Mexicain. Ça va revenir jusqu'à Adriana González. Sans risque avec sa gardienne Ashley Rodriguez. La longue touche, on a basculé dans la seconde période de cette première période. Et les Françaises sont devant grâce à Bouchra Karafi. Originaire de l'Aveyron, qui a eu 16 ans le 7 février dernier, qui appartient donc au club de Rodez. Ont toujours cette volonté de jouer et ressortir proprement, mais c'est difficile sous la pression française. Pauline Val devant Valentina Morietta. Il y a un coup de sifflet, un pied haut de la Montpellieraine. Il va falloir aller chercher rapidement ce second but, se mettre à l'abri. Maëlle Doré avec Alexandre Lambert. Maëlle Doré de nouveau entre deux joueuses. Dalo Jabi vers l'avant, c'est contré. Et bonne récupération de Bouchra Karafi. Attention à cette passe en retrait interceptée. Ouais, bien rattrapée par Tanté Diakité qui se projette
petite milieu de terrain box to box. Sofia Djoubri qui rentre intérieur au cœur du jeu, qui va écarter vers Isoé Mustière, qui travaille devant Mia Villalpando. Tacle licite de la capitaine mexicaine. Mais on a cette sensation depuis 25 minutes que les Françaises sont plus nombreuses, que les Mexicaines ont beaucoup moins de solutions à la récupération du ballon, ont du mal à se projeter, comme si elles étaient moins sur le terrain. Signe que les Françaises sont bien en place, bien présentes. Noémie Fati vers Pauline Valla, ce ballon va passer. Et la touche sera mexicaine. À l'approche de cette demi-heure de jeu, 1-0 pour l'équipe de France. L'ouverture du score de la tête sur coup franc signé Bouchra Karafi. Et la réponse mexicaine peut-être, mais ce ballon touché par Tante Diakité. Avec Sofia Djoubri qui était passée, le coup de sifflet de Laura Bouchot. On essaye d'allonger. Pauline Valla, le jeu écarté vers Sofia Djoubri. Gabriel Leroux pour resservir sa partenaire au Paris Saint-Germain. Là, il y a un coup de sifflet, mais on a senti la connexion entre les deux parisiennes, Sofia Djoubri et Gabriel Leroux. Le Paris Saint-Germain, club le plus représenté dans ce rassemblement de l'équipe de France U16 féminine avec l'Olympique Lyonnais. 5 joueuses de chaque côté. Côté PSG, donc Fatier, Jabi, Djoubri, Leroux et Morissin. Et côté Olympique Lyonnais, 5 joueuses également. Moreau Tranchant, Lambert, Dugast, Marmillot et Genot Gourieri. On peut citer également 2 joueuses du Havre et 2 joueuses du Stade de Reims. Au Havre, Maël Doré et Luna Laboukari. Stade de Reims, donc la capitaine Tante Diakité et également Thaïs Prépon sur le banc. Allez, la récupération de Noémie Fati, justement une parisienne avec Maëlle Doré qui écarte vers Dalo Jabi. Française, que c'est difficile pour les Mexicaines de sortir de leur moitié de terrain. À nouveau gelon, ça va passer pour Pauline Valla, mais bonne anticipation de Valentina Morieta. Sans regret, il y avait de toute manière une position de hors-jeu au départ. Elle n'a pas été récompensée encore, mais elle fait beaucoup d'efforts, hein, Pauline Valla, sur le front de l'attaque française.
Jeanne Bourdelais. Nouvelle touche pour la latérale brestoise, alors qu'il va rester 10 minutes dans le temps réglementaire de cette première période. Toujours la pluie ici à Montaigu. Ah, on ne s'est pas compris là entre Bouchra Karafi et Dalo Jabi. Ce sera rendu. Alexandre Lambert. Noémie Fatier. Jade Lourdelet avec Sofia Djoubri qui n'a pas pu s'emmener correctement ce ballon. Reyes qui tente de passer entre trois Françaises. Encore un bon retour de Bouchra Karafi. Le duel au poteau de corner avec Noémie Fatier qui s'en sort parfaitement. Sofia Djoubri qui renverse le jeu. Ça n'arrive pas jusqu'à Dalo Jabi. Et des Mexicaines un petit peu plus hautes maintenant. Et à nouveau un départ de Sofia Djoubri, elle est passée. Ah, il y a un coup de sifflet, pas sûr. Dans ce duel avec Angelina Belliana, la buteuse face aux Pays-Bas. Allez, un changement avec la sortie après 32 minutes de jeu de la joueuse du PFC. Isoé Mustière. Normalement de la parisienne Léa Morissin. Poste pour poste sur ce côté droit. Là, il y a un coup de sifflet. Gabriel Leroux qui tente de s'emmener le ballon. Et c'est bien Léa Morissin, l'ancienne gymnaste. Ça avait été signalé au tout début du chat sur YouTube par Letty. Léa Morissin qui avait démarré le foot du côté de Meaux. Avant donc d'intégrer le centre de formation du Paris Saint-Germain. Attention à ce coup franc, même lointain. À 5 minutes de la fin de cette première période. Géré par les Bleuettes. Un nouveau coup de sifflet, nouveau coup franc contre l'équipe de France.
petit peu moins entreprenante depuis l'ouverture du score. Attention à ce centre au premier poteau touché par Alexandre Lambert. C'est pas terminé. Le ballon dans la surface. On est dégagé. Ah, c'est la première incursion. L'entrée de Chloé Del Real, la numéro 17, à la place donc de Fernanda Monroy. Une joueuse un petit peu plus expérimentée, Chloé Del Real 2008. Qui remplace donc Fernanda Monroy 2009. On le rappelle, une équipe mexicaine plus jeune avec 13 joueuses sur les 22 de la génération 2009. Ah, une bonne possibilité pour Léa Morissa, mais qui n'est pas passée entre les deux joueuses mexicaines. Dalo Jabi qui va obtenir cette faute. Noémie Fatier qui écarte à gauche vers Jade Lourdelet. Gabriel Leroux. Noémie Fatier sans risque, en retrait jusqu'à sa gardienne, Alexandre Lambert. Maël Doré. Et on voit depuis plusieurs minutes une équipe mexicaine qui est remontée un petit peu plus haut sur le terrain. Il s'est montré enfin dangereux avec cette situation dans la surface il y a quelques minutes. Allez, Gabriel Leroux. Céleste Martinez face à Jade Lourdelet. Allez, passer Martinez. Le service derrière. Parfaitement lu par Noémie Fatier. Elle a une cliente, Eliana Gallegos. Dans la personne de Noémie Fatier aujourd'hui. 1 minute 30 encore avant la fin de cette première période. Retourner Sofia Djoubri. Le service pour Léa Morissin. Et peut-être une dernière occasion avant le retour au vestiaire. Jade Lourdelet avec la buteuse Bouchra Karafi qui se projette. Reprise stoppée par Citlali Reyes. Il y aura une minute de temps additionnel.
temps, Teddy a quitté plein axe pour lancer Léa Morissa, mais la porte s'est refermée. La récupération d'Alo Jabi. Valentina Morietta. Un dernier duel remporté par Tante Diakité. Dernière cartouche peut-être pour les Mexicaines. L'avantage a été laissé. Reyes pour lancer sa coéquipière. Une belle intervention de Dalo Jabi devant Chloé Del Real qui est entrée en jeu à la place de Fernanda Monroy. Attention là, il faut lui parler. Elle s'en sort bien et Pauline va la peu et y aller. Est-ce qu'elle va être sa première? Non. Et le coup de sifflet finalement. Il ne lui manquait pas grand chose à la Montpelliéraine, Pauline Valla. Et on va en rester là sur ce dernier dégagement. Laura Bouchot siffle la pause dans ce mondial de Montaigu entre l'équipe de France U16 féminine et le Mexique, 1-0 grâce à l'ouverture du score de la tête sur un corner excentré. Tête signée Bouchra Karafi, la numéro 6 de Rodez, permet à l'équipe de France d'être devant. On va se quitter quelques minutes avant de se retrouver donc ici au complexe sportif Maxime Bossis pour suivre cette seconde période en attendant du contenu proposé par la Fédération française de football et dans quelques minutes donc la seconde période. À tout de suite. Aujourd'hui, vous êtes là dans le cadre du dispositif Une seule couleur, celle du maillot. Plus principalement sur la semaine de lutte contre l'éducation, contre le racisme et l'antisémitisme. Le projet éducatif, c'est vraiment un pilier du projet club.
Donc il y a le projet technique, la partie football, etc. Mais il y a aussi le projet éducatif. C'est pour ça qu'on a adhéré au programme éducatif fédéral. Vous êtes là tous par rapport à l'action qui a été faite quand on vous a présenté les nouveaux éducateurs. On avait fait un quiz par rapport aux discriminations et à toutes les discriminations. Donc là, on va aller un petit peu plus loin. On va vous montrer réellement des cas où il y a eu du racisme dans le football. C'est vous qui allez la décrire, d'accord? Et c'est vous qui allez, on va dire, nous donner votre sentiment par rapport à ça. C'est devenu récurrent. On doit tous réagir. On doit faire quelque chose. Parce qu'on ne peut pas jouer comme ça. L'auteur présumé des propos est toujours en garde à vue et une plainte a été déposée. On a vu des réactions différentes. Sur les premières vidéos, qu'est-ce qui s'est passé quand le joueur il a entendu des cris racistes? Il a arrêté le match. Ouais. Il a arrêté le match. Non, moi je penserais pareil. Hein. Tu ferais quoi? Je ferais pareil. Je quitterais le terrain. De ma part, j'ignorerais et j'encouragerais la personne victime parce que je trouve ça honteux par rapport aux supporters. Alors que eux, normalement, leur but c'est d'encourager leur équipe. Tu lui dirais, ok, on joue, mais je suis avec toi, mais vas-y, viens, on continue à jouer. Ok. Personnellement, moi, si j'entends un cri de ça dans l'enceinte du stade, je demande à ce que l'arbitre, il arrête le match, on rentre tous au vestiaire et après, les instances prendront des décisions. Le fait d'arrêter le match, quelque part, après, ça peut donner de l'importance à la personne qui émet ces genres de propos. Alors que si on s'y intéresse pas, peut-être que ça pourrait avoir l'effet inverse et puis qu'il s'arrêterait. Vous croyez qu'eux, ils ont envie de continuer le match? Étant dans cette disposition, ils vont rester concentrés? Je ne pense pas. Ils ont bien fait d'arrêter le match. Là, je pense que le but, c'est de faire avoir un électrochoc sur la conscience collective. Si demain, il y a un supporter, je sais pas moi, ou quelqu'un qui se dit supporter du club de l'Assigny, qui n'est pas dirigeant au club, qui n'est pas licencié ici, et qui vient cracher sa haine au bord de la... derrière la main courante, est-ce que pour vous, le club est responsable ou pas? Non, c'est la personne qui a eu les propos qui est responsable. On se doit, comme pour l'ensemble des clubs, d'être justement présent. Ça permet aussi de voir comment fonctionne le club, quelles sont ses attentes, son devenir. Le rôle du football, c'est d'abord des valeurs qui sont de respect, de travail en commun. On va vraiment le nommer, le racisme, vraiment la définition. Parce qu'il y a des mots, xénophobie, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc on va faire un petit exercice de mots croisés. Nous avons eu l'idée de la partie mots croisés grâce à notre plateforme que nous avons tous les clubs lieux de vie en commun. Et on s'est dit que en fait on pouvait totalement le reproduire et que ça allait totalement dans le thème de la semaine et dans la continuité de nos actions passées. C'est important de revenir sur ces notions parce que c'est des choses qui choquent et qui peuvent faire très très peur. C'est une haine entre les sujets d'origine. À mon avis, le 1. Hein, oui, après en France. C'est pas suprémaciste. C'est le suprématisme. Suprémacisme. Mais c'est ce que je vous dis tout à l'heure, la gars, je dis assimilation. C'est pas intégration qui n'est pas la même chose. Il y a de l'assimilation? Non, il n'y a pas qu'un. Ça passe bien. Oh, mais si, ça passe. Yes. Alors, les gars, super. Yes. Je vais déposer des marqueurs, le temps de réfléchir un petit peu. Et chacun à votre tour, adulte, jeune, vous allez écrire un mot, un sentiment. J'ai trouvé que c'était un bon thème à aborder car nous avons appris des mots qu'on ne connaissait pas. À mon sens, c'est important de sensibiliser à tout ce qui se passe dans le monde. Les jeux, c'est la société de demain. Si on veut vraiment faire évoluer les mentalités, faire évoluer les choses, c'est par eux. Passé vite, on n'a pas le temps de s'ennuyer avec la Coupe du Monde, une première Ligue des Nations, une deuxième qui va s'enchaîner et les Jeux Olympiques. Pas de répit, pas de temps mort, donc qui plus est contre des adversaires de très bon niveau, voire même de très haut niveau. Un programme pas facile, mais motivant et
et passionnant. Beaucoup d'enseignements positifs. Une finale pas très bien gérée contre un adversaire très très difficile. Une génération du football espagnol qui a gagné beaucoup de titres chez les jeunes et maintenant au plus haut niveau international. Mais il y avait mieux à faire, ouais. Donc une remise en question, un mea culpa aussi, et il faut avancer. Voilà. Allez, dis le droit, hein. Ouais, c'est bon. Une compétition complètement différente, avec beaucoup moins de temps de repos entre les matchs. Une pression certainement qui sera plus intense parce qu'on fait partie du pays organisateur. Une grande attente. Voilà, mais on va gérer ça tranquillement et on est armé pour vivre toutes ces semaines qui arrivent devant nous avec passion, détermination et bien concentré. La tâche de cette Ligue des Nations est déjà très importante, donc il faut d'abord bien passer ces matchs. Et puis c'est une bonne préparation en quelque sorte. Et puis dans un petit coin de ma tête aussi, une liste qu'il va falloir affiner. Et ce n'est pas la meilleure des choses, ce n'est pas la chose la plus excitante qui puisse y avoir dans le métier, mais ça fait partie du travail, ça fait partie du job. On passe un peu pour le méchant, mais c'est le football, c'est la compétition, c'est qui plus est une liste encore plus restreinte. Donc je vais faire quelques déçus, mais il faut assumer. C'est à vous maintenant. Si on est là, c'est grâce à vous. On avait eu un match pas facile quand on a été joué en Irlande. Mais c'était le début d'une belle préparation, d'une belle aventure contre un adversaire pas facile à jouer, avec des vertus bien spécifiques au British football, comme on dit. Hein. Donc, avec ces deux matchs cruciaux dans ces 10 premiers jours, un mois de juin très très chargé, on va se retrouver très vite dans le vif du sujet et il va falloir bien négocier ces matchs le plus rapidement possible. C'est une belle équipe. J'ai vu beaucoup de séquences de matchs contre les Espagnols. Bah, c'était pour préparer la finale de la Ligue des Nations et elles avaient réussi à marquer 3 buts à ces Espagnols. Ils en avaient pris 5, mais au moins, elles ont une capacité offensivement à être très dangereuses, donc méfiance. Et puis, il ne faut pas oublier que cette Ligue des Nations est qualificative pour l'Euro 2025. Donc, c'est un élément très, très important et c'est certainement l'élément le plus important de cette Ligue des Nations 2025. On démarre en quelque sorte une nouvelle saison. On a achevé une première saison avec une Coupe du Monde, une Ligue des Nations. Et puis là, on redémarre avec une Ligue des Nations et Jeux Olympiques. Voilà, c'est une liste légèrement différente, mais pas énormément différente. Donc, une continuité, tout en y apportant des petites touches qui permettent de donner la chance à certaines joueuses qui ne sont pas venues tout le temps. Je pense notamment à Vicky Béchaud, qui avait pourtant fait des matchs de Coupe du Monde fantastiques. Un petit début de saison un peu plus difficile, puis là elle revient dans le rythme, et comme j'aime beaucoup ses qualités, voilà, c'est pas que les qualités des autres soient moins bonnes, j'ai besoin de ce profil, et j'affectionne ce profil, donc voilà les raisons pour lesquelles elle est là. Retour de notre capitaine, ça va faire du bien, on a besoin d'elle. Je pense que cette équipe de France a énormément besoin d'elle, que ce soit en dehors du terrain et sur le terrain. Maintenant, on va lui laisser le temps aussi de revenir bien, mais sûrement. Donc il ne faut pas brûler les étapes non plus pour elle, mais le fait qu'elle soit là, c'est déjà beaucoup pour nous.
Je sais que les filles étaient déçues après le match de l'Espagne, c'est normal, mais il faut toujours y croire. Il faut aller chercher ce qu'on n'obtient pas toujours très facilement. Et ça, il faut que ça soit le mot d'ordre. Sportif Maxime Bossis où les jeunes bleuettes de l'équipe de France U16 mènent à la pause face au Mexique dans ce mondial de Montaigu. Ouverture du score à la 20e minute de la tête signée de la numéro 6 Bouchra Karafi, la joueuse de Rodez. L'équipe de France mène logiquement. Elles ont été les plus dangereuses dans ces 40 premières minutes. Et le défi aujourd'hui, gagner par deux buts d'écart pour disputer la finale dimanche et espérer donc remporter une seconde fois ce tournoi après 2019. Il faudra donc encore une fois inquiéter donc Valentina Morrieta et ses Mexicaines. Les coéquipières de Tanté Diakité sont déjà prêtes. On va rappeler cette composition d'équipe avec Alexane Lambert, la gardienne de l'Olympique Lyonnais dans la cage, à la place de Laurine Chevret, qui avait disputé les deux premiers matchs face aux Pays-Bas et face au Japon. Une charnière, Noémie Fatier, Maëlle Doré, Jade Lourdelet, latérale gauche, Dalo Jabi, latérale droite, au milieu de terrain, Bouchra Karafi, Tanté Diakité et Gabriel Leroux. Léa Morissin a remplacé donc en première période Isoé Mustière et donc Sophia Djoubri et Pauline Valla, la Montpellierenne, sur le front de l'attaque française. Le 11, le 4-3-3 de Michael Ferreira face donc à cette équipe mexicaine. Valentina Morrieta dans la cage. Derrière, Adriana González, Ashley Rodriguez, la capitaine Mia Villalpando et Angelina Belliana. Au milieu de terrain, Naomi Rojo, Stella Barajas, Chloé Delral qui a remplacé Fernanda Monroy, ainsi que Citlali Reyes, la numéro 10, Céleste Martinez. Et donc devant, elle a eu beaucoup de mal à être trouvée, Eliana Gallegos. Le coup d'envoi donné par les Mexicaines, déjà battues par les Pays-Bas 2-1 il y a deux jours, en quête d'une première victoire dans ce mondial de Montaigu. L'équipe de France vise la finale. Alors qu'il y a eu l'entrée de Camille Marmillot, la numéro 22 au milieu de terrain, dès le retour des vestiaires. Donc un nouveau changement effectué par le staff tricolore avec la présence de Camille Marmillot dans cette seconde période. Le premier coup de sifflet en faveur des Mexicaines. C'est Tanté Diakité, la capitaine, qui a laissé sa place à Camille Marmillot au milieu de terrain, qui va donc accompagner la buteuse Bouchra Karafi et Gabrielle Leroux.
Allez, Amaury Saint qui va faire l'effort devant la capitaine Mia Villalpando. Le ballon vers Céleste Martinez, coupé par Maëlle Doré, qui est ici comme chez elle, on le répète, puisque elle joue au Havre, mais elle est née à La Roche-sur-Yon, juste à côté. Attention à ce ballon dans la surface de réparation de Mia Corona, également entrée en jeu. La numéro 8. C'est donc Noémie Fatier qui a récupéré le brassard de capitaine depuis la sortie de Tanté Diakité. Qui tente de résister à Mia Villalpando, et le coup de sifflet. Faute sur Gabriel Leroux. Bon, je crois Carafi qui a proposé une solution. Premier but en sélection aujourd'hui. Le pied gauche pour essayer de trouver Pauline Valla, qui se bat sur chaque ballon comme à son habitude et qui va permettre à son équipe de gagner de précieux mètres. Et la touche à venir pour Dalo Jabi. Gabriel Leroux. Le danger renvoyé. Et pourquoi pas Pauline Valla à l'entrée de la surface, la frappe cadrée, mais trop molle pour inquiéter Valentina Morietta. La récupération haute des Françaises. Pourquoi pas Camille Marmillot ? Et cette frappe pied gauche qui passe juste à côté du montant de Valentina Morietta. La première occasion française dans cette seconde période. C'est la Lyonnaise qui vient de rentrer en jeu, Camille Marmillot. Et on entend des bravo Camille descendre des tribunes de ce terrain où la pluie a cessé. On a eu droit à un bel orage en première période. Il suffit de dire ça pour que la pluie revienne. Les Françaises ont le ballon. Voilà, remontée de balle d'Adriana Gonzalez qui ne s'arrêtait plus. Allez, Amaury Saint. Dalo Jabi en retrait. Le dégagement. Ouais, bonne protection de balle. Joli travail de conservation. Gabriel Leroux qui écarte côté gauche vers Sofia Djoubri. Sofia Djoubri face à Angelina Belgana. Pas de faute. Et la couverture de Maëlle Doré. Corner concédé. Premier corner de cette seconde période.
ce sera une touche plutôt. Donc, quatre joueuses françaises sont à l'échauffement. Pauline Valla. La frappe lointaine tentée au-dessus de la cage mexicaine, pourquoi pas. C'était audacieux. Pendant qu'une joueuse française doit refaire ses lacets. Et on voit hein, les Françaises installées dans cette moitié de terrain qui ne veulent pas reculer. Maëlle Doré en retrait avec Alexandre Lambert. Nouveau coup de sifflet. Et il y a une joueuse française restée au sol. Le temps pour nous de rappeler que l'équipe de France mène 1-0, un but à la 20e minute de jeu de Bouchra Karafi de la tête. Mickaël Ferreira qui a déjà effectué deux changements avec les sorties d'Isoé Mustière en première période remplacée par Léa Morissin et la capitaine en seconde période tentée d'y acquitter remplacée par Camille Marmillot qui s'est procuré la plus belle occasion de cette seconde période avec cette frappe pied gauche à l'entrée de la surface de réparation passée juste à côté. Noémie Fati a récupéré le brassard de capitaine. Et pour l'instant, là, la gardienne française Alexandre Lambert est relativement tranquille. Elle n'a pas eu à s'employer. Mais il faut aller chercher ce second but, aller doubler la mise pour disputer la finale dimanche. Ce sera donc soit face à la Suède, soit face au Japon. En cas de finale qui joue dans le même temps. 0-0 pour l'instant entre japonaises et suédoises. Le Portugal est déjà éliminé avec deux défaites au compteur. Défaite 1-0 contre le Japon et défaite 4-0 contre la Suède. Donc avantage Suède. Pour disputer la finale dimanche, soit donc face aux Pays-Bas, soit face à l'équipe de France. Attention à cette possibilité, ce centre au point de pénalty, touché par Dalo Jabi. Heureusement, il y avait une joueuse mexicaine dans son dos. L'aide de Léa Morissin, Dalo Jabi à nouveau. Mia Villalpando. Contrée par Léa Morissin et la récupération française. Camille Marmillot. Avec Gabriel Leroux, la prise de balle parfaite vers l'avant en mouvement. Et derrière, le service est un peu moins à gauche vers Jade Lourdelet. Dommage. Challenge féminin qui existe depuis 2019
l'équipe de France, première nation titrée, suivie en 2021 par l'Espagne, 2022 les Pays-Bas et l'année dernière les États-Unis, où la France avait d'ailleurs terminé deuxième. Attention à cette situation, ne pas répéter les mêmes erreurs défensives, ça a été bien rattrapé heureusement par Alexandre Lambert. Carafi. Elle est passée encore, Sofia Djoubri. Pauline Valla avec Léa Morissin qui va travailler la parisienne dans cette surface de réparation entre deux joueuses. Elle est stoppée. Et la touche à venir pour Dalo Jabi. C'était la Barraras avec une coéquipière au milieu de terrain. Barraras encore. Ouais, pas de faute, ça joue. Pauline Valla. Pauline Valla qui fixe, qui attend le départ de Léa Morissa, mais elle sera en retard. Bientôt un quart d'heure dans cette seconde période. Le score n'a pas bougé, toujours 1-0 pour l'équipe de France face au Mexique. Pour avancer et le départ de Céleste Martinez. Le centre pied gauche, sans risque, la capitaine Noémie Fatier va concéder le corner, un moindre mal. Et on sent des Mexicaines un petit peu mieux dans leur match, un petit peu mieux qu'en première période. S'approche plus facilement de la cage gardée par Alexandre Lambert, à l'image de ce nouveau corner obtenu. C'est joué à deux. Amia Corona. La centre tire. Ça va sortir. Permettre aux Françaises de se réorganiser. Allez, il y a une possibilité, il y a de l'espace en tout cas pour Maëlle Doré. La Havraise qui sert Pauline Valla entre deux Mexicaines. Pauline Valla qui résiste une fois, qui parvient à centrer au premier poteau, c'est dégagé. Et tout de suite, le contre est fort. Et la récupération française. Allez, les nouveaux changements. La sortie de Eliana Gallegos, la numéro 19, l'attaquante est remplacée par Samantha Cisneros, attaquante de la génération 2009, un an de moins que toutes les joueuses françaises du poste pour poste. Donc mais ça veut dire que cette équipe mexicaine veut aller chercher l'égalisation, soit offensif pour amener de la fraîcheur sur le front de l'attaque mexicaine.
Céleste Martinez est dans son dos. Elle a perdu le temps d'avance, mais elle a encore le ballon. Mia Corona face à Maëlle Doré. Elle obtient la touche. Sorry, c'est dégagé sur cette passe mal appuyée dans sa propre surface, dégagé par Noélie Fatier. Et ce sont les Mexicaines qui ont le ballon depuis plusieurs minutes. Les Françaises ont clairement moins de maîtrise. Et là, se contentent de dégager leur camp. Chloé Del Real qui obtient cette nouvelle touche. On va effectuer un changement avec la sortie de Pauline Valla qui n'aura pas été récompensée de tous ses efforts, la Montpelliéraine, et l'entrée de la Lyonnaise Sabiana Genot-Gourieri, quatrième sélection aujourd'hui, elle qui avait marqué contre l'Italie le 29 février dernier lors du nul de partout. Avec Genot Gurieri et le roux buteuse. Je vais être arrêté, ballon touché par l'arbitre Laura Bouchot. On le rappelle, dans ce tournoi, le format 2 fois 40 minutes. Il reste donc 20 minutes dans le temps réglementaire pour aller chercher ce second but. Et devancer les Pays-Bas à la différence de but. Et la charge dans le dos de Léa Morissin, le nouveau coup de sifflet. Loin devant, qui a essayé de mettre ce ballon dans la surface d'Alexane Lambert. Elles sont de mieux en mieux, hein, les Mexicaines, de plus en plus pressantes. Allez, les Bleuettes doivent tenir bon dans leur surface de réparation. Autour de Mia Corona, elles s'en sortent une première fois, mais ça revient avec le centre de Mia Villalpanda au point de pénalty. C'est dégagé. Et la contre-attaque possible avec Bouchra Karafi. Ah, dommage, ça ne donne rien. Et nouvelle contre-attaque possible à la baguette, Gabriel Leroux. Qui va écarter côté gauche en une touche. C'est bien fait entre Camille Marmio et Sofia Djoubri. C'était pas Sofia, mais ce centre de toute manière à côté. Mais c'est une réponse au temps fort mexicain. On le rappelle, le dernier France-Mexique ici même avait été prolifique. Victoire française 6-0. C'est moi qui a aujourd'hui. Allez, la récupération d'Alo Jabi. Il reste encore des cartouches sur le banc français. Attention à Mia Corona, mais le bon retour de Maëlle Doré. Alexandre Lambert a été contré.
Laurine Chevret, la seconde gardienne de ce rassemblement. Derrière, sur le banc, il y a Zoé Dugast, la lyonnaise, la joueuse du Sporting Charleroi. En Belgique, Serena Delefortry. Et une autre lyonnaise, Océane Moreau-Tranchant. Au milieu de terrain, la lançoise, Julia Evrard. La rémoise, Thaïs Prépon. Et des cartouches offensives avec la nantaise, buteuse contre les Pays-Bas, Melem Liali. La mancelle, Lia Galobé, buteuse contre le Japon. Et la havraise, Luna Laboukari. Elle est la possibilité française avec ce ballon à l'entrée de la surface en retrait pour Camille Marmillot. Le pied gauche de la lyonnaise s'est contré et ça offre un corner à l'équipe de France. Une nouvelle frappe tentée par un lagauchir, Camille Marmillot. Le public de Montaigu qui pousse les Bleuettes. Noémie Fati et Maëlle Doré sont montées. Premier poteau, la déviation tentée par Bouchra Karafi. Ça ne donne rien, un ballon rendu aux Mexicaines. Pour rappel, il y aura quoi qu'il arrive un match dimanche. Soit la finale, soit un match de classement à disputer. Et donc encore à déterminer. Mais attention, il y a de plus en plus d'espace. Oh, ce ballon qui file dans le dos d'Alo Joby à la lutte avec Céleste Martinez. Toujours dans la surface de réparation, Mia Corona qui ne passe pas. Bonne défense tricolore. C'est sorti. Le coup de sifflet touche française. Un quart d'heure encore dans le temps réglementaire. Un quart d'heure pour aller chercher un nouveau but. Alors ça c'est ambitieux, trop ambitieux. Cette frappe lointaine, presque désespérée. Alors nouveau changement. Avec la sortie de Sofia Djoubri. Qui aura beaucoup donné, Sofia Djoubri, la joueuse du Paris Saint-Germain, qui aura vraiment fait des différences. Et le premier ballon pour Luna Laboukari, la havraise. Centre rentrant premier poteau, Valentina Morietta attentive. Allez Luna, allez les Françaises. Tout donner pour ne pas avoir de regrets aujourd'hui. Alponda. La bonne défense de d'Alo Jabi qui était tout de suite très proche du porteur.
Sharafi avec Fatih qui écarte vers Lourdelet. Ouais, bon travail. Et derrière, sans risque, ce ballon est dégagé par Ashley Rodriguez. Léa Morissin, la montée de Dalo Jabi. Dalo Jabi qui va travailler. Ce ballon dans la surface de réparation, pas de pénalty où il y avait une situation particulièrement litigieuse sur ce coup. Laura Bouchot était bien placée en tout cas. Elle n'a pas hésité, pas de pénalty. Pas de pénalty sur Luna Laboukari qui vient de rentrer en jeu. Oh, attention à ce ballon, c'est trop profond. Alexandre Lambert était sorti de sa surface. Ah, difficile hein, de savoir s'il y avait pénalty. En tout cas, ce contact mérite un ralenti pour se faire une idée un petit peu plus précise. Camille Marmillot vers l'avant. Luna Laboukari finalement stoppée. C'est indécis. Très indécis même. Attention à Mia Corona qui est passée, elle est rentrée dans cette surface de réparation. Mia Corona face à Noémie Fatier. Le retour des Françaises, elles s'en sortent. Et Camille Marmillot qui résiste, qui conserve. Céleste Rodriguez à son tour sur le côté gauche, le débordement de la Mexicaine qui a levé la tête, le centre-pied gauche. Touché de la tête par Maëlle Doré, nouveau corner à venir pour cette sélection mexicaine qui n'a pas dit son dernier mot, qui fait mieux que résister dans cette seconde période. Les corners se multiplient. C'est encore joué à deux. Nouvelle chance, nouvelle possibilité. Et l'interception française. C'est Mia Villalpando qui aura le dernier mot. Ça a été joué rapidement. Être vigilant. Ce ballon qui traîne à l'entrée de la surface de réparation en retrait.
Abel Yana. La sortie d'Alexandre Lambert, bien protégée. Et captée par la gardienne de l'équipe de France. Relance côté gauche. Et clairement, à l'image de cette action, il y a moins de maîtrise dans les rangs français. On a plus de mal à conserver ce ballon. Possession qui s'est clairement rééquilibrée. Et on le rappelle, hein, notamment à D'Artoz qui nous demande sur le chat, ça se termine après 80 minutes de jeu, 2x40 dans ce tournoi. Alors on va rajouter du temps additionnel avec les changements. Et on ne devrait pas aller au-delà des 83 minutes. Il reste donc 10 minutes pour aller chercher ce deuxième but côté français. Et 10 minutes pour se hisser en finale dimanche de ce mondial de Montaigu. Sortie de Angeline Abeliana. Et l'entrée de Bérénice Ibarra. La sortie de Céleste Martinez. Et l'entrée de Samantha Ruiz, la numéro 20. On a le double changement côté Mexique. Donc une défenseur et une joueuse plus offensive, Samantha Ruiz, pour ces dernières minutes. Et on le rappelle, les finales seront diffusées sur FFF TV dimanche et lundi en cas de qualification de l'équipe de France féminine et masculine. Seulement donc en cas de qualification des équipes de France, ce sera évidemment à vivre sur le YouTube de la Fédération Française de Football. Ce sera donc dimanche pour l'équipe de France féminine et lundi pour l'équipe de France féminine. Le centre trop long, c'est touché par personne et ce sera rendu. Allez, Camille Marmiot, pourquoi pas, et ce pied gauche. Troisième frappe de loin, hors cadre cette fois-ci. Une première passée juste à côté, une deuxième contrée et celle-ci s'envole. Et c'est vrai que cette seconde période est un petit peu plus décousue que la première, où la première, l'équipe de France avait affiché beaucoup plus de maîtrise. Il reste du temps, on va y croire. On va les accompagner, notamment Dalo Jabi. Allez, pourquoi pas, Luna Laboukari qui écarte sur Léa Morissin, le centre de la Parisienne, centre rentrant capté par Valentina Morietta. «
Allez, ça montre le chemin à suivre. Et là, le déboulé payant de Mia Vidal-Panda. Le renversement de jeu. Allez, l'effort de Sabiana Genot-Gourieri. Léa Morissa a jailli. Léa Morissa va tenter d'aller défier Valentina Morietta. Léa Morissa encore à l'entrée de la surface. Oh, elle est belle, cette frappe sur la barre transversale. La Parisienne malheureuse. Elle avait tout fait toute seule, comme une grande. Et c'est la barre transversale qui empêche l'équipe de France de doubler la mise. C'est clairement la plus grosse occasion de cette seconde période. Et là, il manque la réussite pour Léa Morissin. Allez, une fin de match animée. On sent que c'est ouvert encore. Ça peut basculer. Bouchra Karafi. Le dégagement. Alors qu'on va entrer dans le temps additionnel de cette rencontre. Allez, la récupération, le centre en retrait, Luna Laboukari juste à côté du poteau gauche de Valentina Morietta, après la barre transversale trouvée par Léa Morissin. L'équipe de France pousse, mais l'équipe de France n'est pas récompensée. Quel dommage encore une fois. Espérons qu'elle ne se soit pas réveillée trop tardivement. Allez, elle y retourne. Luna Laboukari, Léa Morissin dans la surface de réparation. La frappe croisée. Ça n'a pas été touché selon Laura Bouchot. Ce sera un 6 mètres. Dans un angle fermé, la frappe croisée tentée par Léa Morissin. Encore sans réussite. Et additionner, ça commence à faire beaucoup. Allez, le pressing français. Camille Marmillot face à Reyes. Et on n'a pas encore la durée du temps additionnel. Ça n'a pas été affiché. Et c'est bien ça, hein, c'est bien la troisième grosse occasion en quelques minutes seulement. Alors qu'on est déjà de l'autre côté avec cette situation mexicaine sur corner. Longue touche. Allez, go! On entend les supporters demander à l'équipe de France de jouer vers l'avant, et c'est ce que fait Léa Morissin. Mais elle est stoppée par la capitaine mexicaine.
Camille Marmillot qui écarte vers Sabiana Genot-Gourieri. Les deux Lyonnaises en action. Le retour salvateur de la défenseur mexicaine. Et un dernier corner comme une balle de match. On va faire monter la défense centrale. Noémie Fatier, Maëlle Doré, Bouchra Karafi également, buteuse de la tête en première période, on le rappelle. Corner tiré rentrant, c'est renvoyé. Ça aurait pu surprendre la gardienne mexicaine, c'est pas terminé. Camille Marmillot en position de hors-jeu. Allez, les derniers duels. Aluna Laboukari a résisté. Elle rentre dans cette surface de réparation. Le tacle et le pénalty accordé à l'équipe de France dans les toutes dernières secondes. Pénalty obtenu par l'entrante, la Havraise Luna Laboukari. L'équipe de France récompensée de tous ses efforts, récompensée de toutes ses occasions. Depuis plusieurs minutes maintenant, avec notamment Léa Morissin. Et Camille Marmillot qui a le ballon, qui semble bien décidé à transformer ce pénalty. Il y avait déjà eu une situation litigieuse précédemment. Là, ça semblait encore plus évident parce qu'il y a ce tacle pas vraiment maîtrisé dans sa propre surface de réparation. Et Luna Laboukari déstabilisée. Laura Bouchot n'a pas hésité. Et c'est bien Camille Marmillot qui se présente face à Valentina Morietta pour envoyer peut-être l'équipe de France U16 en finale de ce mondial de Montaigu. La Lyonnaise Camille Marmillot face à Valentina Morietta. Le pied gauche sur la barre transversale. La deuxième barre transversale dans cette finale. Après celle trouvée par Léa Morissin. Oh que c'est cruel. Ah, le corner qui n'a été touché par personne. Et on en reste là sur dernière possibilité, cette dernière cartouche, malgré la victoire, la déception de l'équipe de France U16 qui n'accédera pas à la finale de ce mondial de Montaigu dimanche, qui devra se contenter d'un match de classement. Oh que c'est dur, oh que c'est dur, surtout face au nombre d'occasions qu'ont eu les Françaises dans ces dernières minutes. Deux barres transversales trouvées et ce pénalty obtenu dans les toutes dernières secondes n'aura pas suffi. La déception est grande pour les joueuses de Mikaël Ferreira. Le tournoi n'est pas terminé, match de classement donc, mais pas de finale dimanche qui ne termine pas première de leur groupe. C'est les Pays-Bas qui accéderont à cette finale grâce à une meilleure différence de but avec plus en tout cas de buts inscrits que les Françaises. On va se quitter donc sur ces images. Mais l'équipe de France s'est quand même imposée face
au Mexique aujourd'hui, on le rappelle, but à la 20e minute de jeu de Bouchra Karafi de la tête. Prochain rendez-vous, ce sera demain à 18h pour l'équipe de France U16 garçons face à l'Argentine. Après un match nul contre la Côte d'Ivoire et une victoire contre l'Arabie Saoudite, l'équipe de France U16 enquête donc d'une finale lundi. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Ludovic Bruno aux commandes et à très vite donc sur les antennes de la Fédération française de football. Très bonne soirée et très bon week-end à tous.